Chers téléspectateurs de 7000 TV, bonsoir ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous observez. Vous vous souvenez du grand reportage de la dernière fois concernant le jeu de rugby au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la seconde émission. Cette fois-ci, nous avons pu retrouver le propriétaire du club de la dernière fois qui viendra faire des précisions, des recadrages par rapport au précédent reportage, de telle sorte que la vérité soit établie et que, à partir de cet instant, que nous en sachions plus sur la discipline, ce qui est, ce qui sera. Sans plus tarder, nous allons l'introduire. Nous vous supplions et nous vous recommandons de prendre un verre d'eau et de vous installer confortablement. Ça commence. Bonsoir coach. Bonsoir. Vous êtes sur les antennes de 7000 TV. Aujourd'hui, nous sommes venus à votre rencontre par rapport au reportage de la dernière fois concernant le rugby. Voilà. Vous êtes encadreur de rugby et vous êtes par ailleurs coach et champion du Cameroun également dans votre catégorie. Nous vous laissons le soin de vous présenter. Alors moi, c'est Amel Elingo, promoteur, je professe plutôt promoteur de la Fondrim Sport Academy. Comme vous avez dit tout à l'heure, nous sommes champions du Cameroun du rugby jeune, U20, version féminine, portée haut des bras avec nos jeunes éducateurs Roméo Fongan et Ahmed, deux jeunes qui m'accompagnent depuis et qui par ailleurs font partie de la première promotion des jeunes que nous avons formés dans l'académie. Et ensuite, nous sommes vice-champions du Cameroun au niveau du rugby féminin senior. Donc, c'est tout ce que je peux dire maintenant pour les lauréats qu'on a eu pour cette année sportive. La précision étant faite concernant le dernier reportage où certaines informations n'avaient pas été correctement dites, nous pensons que cette fois-ci les précisions ont été faites. Coach ou alors monsieur le promoteur, merci. Dans quelles conditions travaillez-vous au quotidien? Ah ben là, les conditions, c'est pas facile, hein, il faut le dire. Le dernier reportage était c'est la réalité de ce que nous, les conditions dans lesquelles nous travaillons. C'est gênant de le dire, d'essayer de rêver dans cette condition-là, mais on va faire avec. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Et via votre reportage, via 7000 TV, on est sûr que des gens vont nous aider à améliorer ces conditions-là. C'est pour ça que je vous dis déjà merci à vous. Merci à 7000 TV de venir vers nous et essayer de nous accompagner dans ce travail. Vous savez, il faut commencer quelque part. Vous avez vu les conditions. On espère plus tard qu'on aura assez de moyens pour pouvoir louer un stade de manière permanente. Et encore, pourquoi pas mieux, louer un stade gazonné pour assurer la sécurité des enfants dans le travail. Est-ce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore eu le soin, pris le soin de prendre des initiatives pour vous rapprocher, par exemple, des mairies, du moins de nos élus locaux? Ah oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître que sur ce côté, c'est très délicat. Vous savez qu'il y a des sports qui sont rois pour le moment. Le football, le rugby reste encore la petite... je vais dire le sport qui n'est pas encore à ce niveau-là. Mais je crois que c'est là où nous devons tous aller. Et qu'on venait de passer le mot avec l'aide de tous les experts, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Vous savez, on n'a pas le monopole du savoir. Et quand on a des gens qui viennent vers nous, qui nous disent voilà comment on peut faire, on ne peut que profiter de leur expertise et d'avancer. Monsieur le promoteur, est-ce que vous pouvez dire aux yeux des téléspectateurs de 7000 TV, quels sont vos besoins réels immédiats? Alors pour dire de manière immédiate, on a besoin du matériel. On a besoin, quand je parle du matériel, c'est le plateau de travail. Vous avez vu là où on travaille, si on pouvait trouver une personne qui peut nous accompagner. Dans la précision en vaut la peine. Si par matériel de travail, il faut des RAV4 ou alors des motos, c'est le moment de préciser. Ah ben non, il ne faut pas aller très loin. Pour le moment, on a besoin du matériel, le ballon, l'équipement de jeu. Alors, si possible, un petit truc qui permet aux enfants de laver leurs habits après les entraînements ou bien après un match.
Vous savez, c'est ça qu'on a besoin pour le moment. On ne peut pas vouloir grand quand on n'a pas encore le minimum. Il faudrait préciser que le dernier reportage, tous ces enfants que nous avons vus et qui sont champions, sont des enfants de l'orphelinat Sainte-Thérèse, du foyer de l'enfant Sainte-Thérèse, du côté de la chapelle au Billy. La précision en valait la peine. Vous comprenez donc qu'au-delà du fait que ces enfants pratiquent un sport encore très inconnu du public, ce sont des enfants qui sont dans des conditions, qui dirait-on, comme qui dirait-on, précaires. Le message est lancé. Ou à toute âme sensible qui serait à même de percevoir ce message, de le transmettre et si possible de passer à l'action. Toute aide sera la bonne venue. Monsieur le promoteur, nous pensons que nous avons fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a encore certaines informations à passer avant que nous puissions prendre congé de vous? Oui, je vais rebondir sur la dernière précision. Vraiment, c'est un projet de club. On s'est dit, si on veut aider certaines personnes, c'est d'aller vers les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir soit les académies qui les accompagnent, soit des personnes qui sont à leur disposition pour au moins les encadrer sur le côté sportif. Déjà, je dis encore merci parce que c'est une couche que nous, on a vraiment envie de toucher. Et on sait qu'il y a du bon là-dedans. Et avec l'aide de toutes les personnes qu'on invite, je suis sûr qu'on aura sauvé la vie de plusieurs jeunes Camerounais qui peuvent se retrouver dans la rue après le pensionnat. Mais je crois que grâce via le rugby, on peut le faire. Et je crois qu'avec Sedmi TV, on est sur le bon chemin. Monsieur le promoteur, nous vous garantissons comme la dernière fois que vous pouvez compter sur l'appui de Sedmi TV pour véhiculer votre message en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Si vous le permettez, nous allons prendre juste après vous votre capitaine. Capitaine équipe d'âme, qui pourra nous entretenir sur les conditions dans lesquelles elle également, elle travaille. Merci. Avec une petite minute, juste remercier deux jeunes qui nous accompagnent énormément. Je dis dans la vie, si on ne peut pas dire merci aux gens qui nous accompagnent, ce qu'on est, on est hypocrite. Je dis merci encore à Fonga, Roméo et Ahmed. Ces enfants, je ne veux pas dire enfants, c'est trop dit, ces jeunes. Ce sont vos enfants. C'est la force qui me donne, c'est tout ça qui me donne. Et je dis merci énormément à ces jeunes-là. Okay. Merci encore. Merci, monsieur le promoteur. Sans oublier de dire merci à la fédération également. Oui. Ça reste notre mère. Tout à fait. Merci. Merci, promoteur. Merci.